tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera une haul beauté solde. Allez, on y va, c'est parti. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc nous revoilà ensemble en vidéo. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo uniquement dédiée à la beauté. Donc la beauté, donc haul beauté du mois de juin. Donc pour tous mes achats que j'ai fait au mois de juin, et aussi j'ai inclus donc les nouveautés ou même des achats soldes. Allez, donc si vous arrivez par hasard sur ma chaîne ou si vous me regardez de temps en temps, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et moi ça me fait plaisir. Vous activez aussi la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Et puis on y va, c'est parti. Allez, donc tout d'abord on va commencer par Yves Rocher. Donc, je suis allée pour mon anniversaire, hein, puisque bon, mais j'avais un cadeau. Et puis, je voulais m'acheter à tout prix le monoï, donc l'huile au monoï, donc qui est pailletée. Alors, donc, en cadeau, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un gommage granité éclat à l'anthémis. Par contre, je ne sais plus. Oui, c'est un gommage visage appliqué sur visage humide 2 fois par semaine. Massé puis rincé. Voilà, donc c'est comme ceci. Le packaging est tout mignon. Voilà, je ne l'ai pas encore testé hein, parce que bon, j'en ai tellement encore que je ne l'ai pas testé. Voilà. Je crois qu'en plus, il y a un opercule. Je crois que j'ai voulu le sentir et... ah non. Non. C'est très, très léger. Ça sent les fleurs, mais de très, 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 très loin. Bon, bon, on verra au moment. Ensuite, donc ça, c'était mon cadeau. Ensuite, je me suis pris donc un gel glacé apaisant pour les pieds à la lavande. Donc, c'est anti-fatigue pour les pieds échauffés. Voilà. Donc, c'est un format de 75 ml. Et donc, ça, ça coûtait... Donc, c'était soldé. Hein, je l'ai eu à moins 50. Donc, je l'ai payé 3,45 €. Voilà. Par contre, il faut que je pense à le mettre au frigo. D'ailleurs, je vais le laisser là. Parce que c'est vrai que le soir ça fait vraiment du bien, surtout quand il fait très chaud ou quand vraiment on a eu les pieds très échauffés. Et ensuite donc aussi à moins 50, hein, je la remue, donc j'ai pris cette huile-ci, voilà, pailletée, elle est trop belle. Donc ça fait corps et cheveux, enrichi au monoï de Tahiti, appellation d'origine, 2%, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, 2% de quoi ? Illumine votre peau et vos cheveux. Voilà. Donc, vous la connaissez. Hein. Donc, ça, c'est le flacon de 100 ml. Donc, il était à 16,90 € que j'ai payé à moitié prix, 8,45 €. Donc, voilà, juste pour Yves Rocher. Franchement, j'ai pas acheté grand-chose. Bon, je voulais retourner là parce que j'avais un autre cadeau que je dois demander avant mi-août, il me semble. Mais bon, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet, mais je n'ai rien trouvé de vraiment intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Bon, écoutez, peut-être que je commence à me calmer. J'y crois pas trop, mais bon. Ensuite, on va passer à Mariono. Alors, Mariono, j'y suis allée un peu avant les soldes. Mais alors, vraiment, c'était 2 jours avant, je crois. Et en fait, ben, j'ai fait des achats parce qu'il y avait des choses qui valaient vraiment le coup. Je me suis acheté une palette et un coffret. Donc, je me suis pris la palette, alors comment elle s'appelle? My Luxuriant Paradise Eye Palette, la 02 Night Bird. Donc, voilà le packaging. J'ai craqué complet. Mais quand j'ai vu ça, j'ai craqué. C'est trop beau. Alors, par contre, va falloir que je cherche les prix parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Allez, je vous montre la palette. Hein, donc, elle est comme ceci. Vous voyez, elle est très belle. Hein. Bon, après, le derrière, rien de spécial. Hein. Donc, vous avez évidemment un miroir. Hein, et vous avez la palette. Donc, moi, j'ai pris celle-ci avec ces teintes-là. Moi, je l'adore. Elle est magnifique. Et ces teintes un peu froides. Hein. Les bleus-gris, j'adore. Hein. Enfin, et celle-là aussi, là, elle est foncée. Elle est magnifique. Hein. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, ça fait un bleu marine. Ouais, en tournant comme ça, vous voyez un petit peu mieux certaines couleurs. Là, ça fait un petit peu marron bordeaux, le smoky.
voyez les nuances hein? En le tournant comme ça, la palette, en la tournant, on voit un petit peu mieux, ouais. Voilà. Donc, j'ai craqué complet en forme de coquillage, on dirait. Enfin, je ne sais pas, c'est trop, trop beau. Donc, je crois, enfin, je ne sais plus, il faut que je cherche les prix. Je vous mettrai, hein. Voilà, donc, elle était en promo. Je crois que c'était moins de 30%. Donc, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et ensuite, j'ai pris ce joli petit coffret. Donc, vous avez un démaquillant, un mascara, un bronzer, je crois, et un rouge à lèvres. Donc, c'est mon coffret maquillage, parenthèse exotique. Voilà, make-up set. Donc, ça aussi, c'était en promo. Alors, donc, nous avons un démaquillant biphase intense, donc de chez Marionneau forcément, qui fait 50 ml. Voilà, vous voyez. Donc c'est bien un biphasé, vous voyez, ça se mélange bien. Ensuite, un mascara. Donc c'est le Happy, mon mascara Curry Lash. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Je vais voir si j'ai oublié d'allumer la ring light. Je ne sais pas si ce sera mieux. Voilà. Bon. Il n'est pas fermé, donc on va le sortir. J'adore ces brosses. Vous voyez, la brosse, elle est incurvée. Ça ne sent pas trop le chimique, franchement. Ce mascara, il me tente. J'en ai plein d'autres en plus, mais bon. Bon, bref, ne nous étalons pas. Après, on avait, alors ça c'est quoi? Poudre visage bronzante, la teinte 1, Summer Halo. Donc c'est une poudre comme, oh, elle est trop belle. Regardez, donc, vous avez le miroir hein, comme d'hab. Hein. Regardez, elle est trop trop belle. Oh, oh je l'adore, j'avais pas vu que c'était ça. Elle est trop trop belle. Elle sent bon. Ça sent le sucré, mais ça sent l'été. Oh là là, c'est magnifique. Hein? Ah ouais, elle est trop belle, je vais la garder celle-là. Et ensuite, on a eu donc un rouge à lèvres, je suppose. Je sais pas, il n'y a rien d'indiqué. Ah ben oui, c'est un lipstick. Vous voyez, un peu framboise. Il sent très 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 bon. Ah, il est très agréable. C'est un rose framboise. Il sent bon. Hein. Pff, franchement, je vais le mettre là avec mes rouges à lèvres. Je pense que ça pour... On va voir dans un moment s'il est mat ou pas. Je sais pas, je crois pas. Hein, mais... Il n'y a pas de place. C'est une catastrophe. Hein. Je n'ai plus de place de nouveau. Pour faire un projet de panne sur des rouges à lèvres, c'est vraiment compliqué, quoi. Je tourne tous les jours, je ne prends jamais les mêmes. Hein. Mais bon, vous comprenez bien que c'est un peu compliqué. Bon, donc pour Marionneau, c'est fait. Donc là, je vous mettrai les prix, hein, mais franchement, je ne me souviens pas. Et avec, qu'est-ce que j'ai eu en cadeau? Ah oui, alors ça, justement, je voulais tester. C'est des crèmes de chez Herborian. Là, j'ai eu la CC Water à la Santella. Un gel teint frais, protecteur de peau. Et là, c'est la teinte dorée. Ça risque d'être un peu foncé pour moi. Mais bon, je vais le tester parce que ça fait un moment que j'en avais envie de cette marque. Donc, je me la mets devant. Et après, j'ai eu un échantillon irrésistible de Givenchy. Donc, ça, c'est le rose effervescent. Voilà. C'est celui-ci. Donc, moi, irrésistible, je ne l'ai jamais pris. J'avais Very Irrésistible. Et après, il y en avait un autre. Hein. Mais celui-ci, tout simple, je ne l'ai jamais eu. Bon, donc je les garde les échantillons parce que des fois, je les mets dans les... je les mets dans les colis vintage ou pour faire un cadeau en plus, pour ajouter à quelqu'un. Voilà, j'aime bien. Ensuite, je récupère mon colis Adopt que vous avez vu dans le vlog. Hein. Je vous avais montré une partie. Alors, je me suis trouvé un bracelet, oh, mais alors magnifique, magnifique.
Donc là aussi, je vous mettrai les prix sur la vidéo parce que je n'ai pas eu le temps de chercher. Alors, donc il est comme ceci. J'adore, ça fait un peu bohème, mais je sais pas, ça me fait penser à autre chose aussi, je sais pas. Vous voyez, il est en plastique dur. Alors, est-ce qu'il y avait le prix là? Il y avait 14,99 € et je pense que je l'ai payé à moitié prix. Donc, vous voyez, il est comme ceci. Donc, il faut faire attention parce que voilà, faut juste à peine l'entrouvrir pour le mettre. Voilà, donc il est comme ceci. Moi, j'adore cet effet marbré là. Vous voyez? Voilà, donc je l'ai payé dans les 8 € ou pas loin, quoi. Ensuite, ça c'est quoi? Je ne sais plus, il y a des trucs que j'ai pris, je ne sais même plus ce que c'est. Alors, ce sont des, je pense, des bracelets ou des chaînes de cheville, hein, je ne sais plus. Excusez-moi, ça me gêne la barrette, elle est trop grosse. Hein. Alors, je vais l'enlever du plastique parce qu'après, on n'y voit pas bien. Voilà, donc moi, je dirais plutôt des bracelets. Hein. Encore là, celle-ci, encore, on peut s'en servir comme bracelet de cheville. Mais ça, c'est plutôt bracelet normaux. Hein. Je trouvais ça très mignon. Pareil, c'était à 4,99 €. Et je crois que je les ai payés à moitié prix. Hein. Voilà, donc ça m'a bien plu. J'ai bien aimé le papillon. Et puis ça aussi, ça fait bohème aussi. J'aime bien. Voilà, pour le prix, franchement, je me suis dit, c'est pas peine de s'embêter. Ensuite, je me suis pris une bougie. Donc, comme je vous ai dit aussi dans le vlog, c'est la rose noire bougie parfumée cire végétale. Alors, je n'ai jamais acheté sur ce site. C'est la première fois. Et c'est en voyant la chaîne de la pétillante cristal. C'est vrai que ça m'a fait envie. Elle a fait quelques achats. Et c'est vrai que ça m'a fait envie de tester. Chaque fois, je disais, bon, allez, il faut que tu regardes parce que j'en ai pas du tout dans ma ville. Proche, en tout cas, j'ai rien. Bon, et puis ce jour-là, c'était au début des soldes et j'ai regardé. Et en effet, j'ai trouvé pas mal de trucs. Hein. Voilà. Donc, cette bougie cire végétale, c'est très bien. Hein. C'est très, très bien. Dans le packaging, il est trop beau. Moi, je la trouve assez grosse quand même. Hein. Après, le prix, pareil, je ne sais plus, je vous le mettrai. Donc après, voilà, c'est un petit pot en verre hein, classique, style Action. Hein. Et puis, vous avez, voilà, juste l'étiquette rose noir. Mais rien que là, mais c'est une tuerie, tellement que ça sent bon. C'est impressionnant. Donc, elles sont fabriquées en France dans le respect de l'environnement. La mèche est en coton et cire de colza 100% végétale. Ouais. C'est franchement, c'est top. Ça sent mais vraiment bon, rose noir. Donc, il me tarde à celle-là de la brûler. Et ensuite, j'ai pris deux petits parfums. Donc, je n'avais pas vu que c'était vraiment tout petit. C'est des formats de 10 ml d'eau de parfum. J'ai pris musc blanc. Alors, après, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, c'est des billes. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas les billes. Non, j'ai pas d'odeur de parfum. Ah oui, ça sent fort. Hein. Enfin, ça sent fort. Ça va, ça sent quoi. Mais je sais pas si la diffusion est la même en roll-on ou en pulvérisation, franchement. Au niveau tenu, je sais pas. Bon, ça sent très bon. Donc ça, c'est le musc blanc. Il sent très très bon. C'est un régal. Hein. Je sais même pas où le mettre tellement que j'ai du bazar. Alors là-bas. Et ensuite, j'ai pris fleur de tiare. Ouais. Fleur de tiare, alors on va voir. Ça sent le monoï. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Hein. Donc je vous montre le packaging, fleur de tiare. Donc c'est que des 10 ml, c'est pas grand chose, mais bon. Je pense qu'on doit en faire un moment hein, si c'est que des rouleaux. Oh, ça sent bon, je regrette pas. Et ça, c'était vraiment pas cher, si je ne me trompe pas, dans les 3 €. Bon, enfin, je vous mettrai ça. Et pour finir, eh bien, on va passer chez Sephora. Et oui, c'est le premier truc que j'ai fait le jour des soldes. Sephora. Donc, voilà. Alors, donc,
Alors, il y a des choses, j'ai oublié de les enlever, donc je ne les sortirai pas, évidemment. Hein. Il y a des choses, c'était pour un cadeau. Donc, il y a des trucs que je ne sortirai pas. Alors, j'en ai partout sur la coiffeuse, hein, comme vous savez, elle est toute rikiki. Donc, il n'y a pas trop de place. Alors, à la base, chez Sephora, donc je voulais y aller parce que c'était les soldes. Mais aussi, j'avais mon cadeau d'anniversaire aussi à récupérer. Donc, mon cadeau d'anniversaire, c'est un masque tissu. Voilà. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. C'est gratuit, c'est un masque, c'est sympa. Donc, celui-là, c'est pour l'éclat de la peau. Masque vitamine à la papaye. Voilà. Bon, écoutez, je n'allais pas le laisser. Hein. De toute façon, j'y allais pour les soldes. Alors, à y être. Hein. Alors, donc, j'essaye de voir ce qui est intéressant ou pas. Alors, donc, j'ai trouvé, justement, de la marque Herborian. Ils vendaient un petit kit de trois tubes de crème. Voilà. Donc, vous avez le Red Pepper. Donc, celui-là, c'est à la pulpe de piment. C'est un masque soin concentré d'éclat, transformation éclat instantané, radiance concentrée. Donc, ça, c'est celui qui est au piment. Je vais les sortir hein, pour vous montrer. Donc, ça, c'est le plus petit. Voilà. Gel crème, booster d'éclat, peau énergisée et rechargeable en éclat. Désolée, on dirait une gogole qui lit. Mais c'est vrai que si je mets mes lunettes, ça fait vitreux à la caméra. Et c'est vrai que je peux remarquer que ça vous gêne. Hein. Voilà, donc ça, franchement, top. Bon, c'est un tout petit contenant, hein. C'est 5 ml. Mais je pense que pour tester une fois ou deux, ça doit aller. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un peu plus gros. Et après, on a la CC Crème. Voilà, la Centella. Soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau. Donc, il y a celui-ci. Donc, il fait 5 ml. Donc, c'est vraiment rikiki. Il n'y a plus de place. Et ensuite, vous avez le masque soin concentré d'éclat. Ah non, ça, c'est le premier que je vous ai dit. Je me trompe. Oh, purée, je dis que des conneries. Hein. Donc, le masque soin éclat. Que je lisais au tout début, c'était celui-ci. Voilà. Pâte masque, vous voyez. Paste masque. Voilà. Et donc, ça, c'est un petit, ça fait 20 ml. Voilà. Et l'autre, le petit que je vous ai lu, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est le gel crème booster d'éclat. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, ça, le petit, c'est un gel. Voilà, c'est comme une crème hydratante un peu. Et ça, c'est le masque. Voilà. Et après, vous avez l'illuminateur. Donc, les trois petits, c'est un coffret. Il était à 19,90 € et je l'ai eu à 30%, donc 13,93 €. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, saute sur l'occasion. Ensuite, je me suis repris un autre petit coffret. Donc, ça, c'est de chez My Clarins, pas l'année dernière. Au dernier solde, je voulais me le prendre. Je suis allée avec une collègue. Et elle l'avait pris, j'ai dit purée, il faut que je le prenne. Et puis bon, finalement, après, dans le magasin, en traînant, je l'ai oublié. Et là, cette année, je ne sais pas, je les ai vus bien en évidence et j'y ai pensé. Donc, c'est un trio de la gamme My Clarins, donc qui prend soin de votre peau, hein, énergie, hydratation et pureté. Voilà, donc je pense que vous le connaissez tout ce kit, hein, il n'y a vraiment rien de nouveau là-dedans. Donc, vous avez la phase 1, remove, nettoie et purifie. Vous avez le deuxième qui est reboost, énergise et hydrate la peau. Et ensuite, vous avez le 3, le recharge, qui recharge les batteries de la peau. Voilà. Donc, ce sont des petits contenants aussi. Hein. Ça fait 30, 15 et 15. Voilà. Le plus gros, c'est le gel nettoyant qui fait 30 ml. Donc, pareil, exactement le même prix que pour Herborian. C'était 19,90 € le coffret et je l'ai eu à 13,93 €. Soldé. Je l'ai vu, ce coffret, à 20 et quelques euros. C'était à combien? Je pense que c'était dans les 27 €. Je suis allée faire un tour chez Nocibé, je ne sais plus pourquoi. C'était 2-3 jours après en plus. Donc, en fait, je me rappelais bien du prix.
Donc, il n'était pas soldé et en plus, il était à 27 euros. Donc, il charrie un petit peu nos civières. Après, j'en avais pas besoin. Franchement, je vous le dis. Mais comme tout le monde blablate là-dessus, je me suis dit, bon, allez, tant pis, prends-toi les. Je me suis pris les mini rouges à lèvres. Enfin, mini. Ça suffit largement. Le duo de mini rouge à lèvres liquide longue tenue de chez Fenty Beauty. Voilà. Donc, couleur intense en un seul geste. Fini mat, longue tenue, applicateur haute précision incomparable. Donc, je vous dirai ça. Parce que bon, pour le moment, évidemment, je ne vais pas les tester. On testera peut-être ça en vidéo. Hein. Voilà, donc ils sont magnifiques. Hein. Après, celui-ci, je pense qu'il est un petit peu rose, bois de rose, un peu foncé. Et celui-ci, un petit peu plus dans les bordeaux, on dirait. Mais ils ont l'air vraiment magnifiques. On a les teintes, mais c'est en anglais. Donc, franchement, là, ça donne rien. Hein. On ne comprend pas trop ce que ça peut être. Voilà, donc c'est à 24 euros et à moins 50%. Voilà, donc je dis, allez, ça vaut le coup, prends-toi les. Après, je me suis pris les perles de poudre révélatrices de lumière de chez Guerlain. C'est Météorite Brazilian Fizz. Donc ça, ça coûte une blende. Ça coûte 59 euros hors solde. Et donc, je les ai eues à moins 50%. Et j'ai une de mes collègues aussi, Sylvie, si tu passes par là. Bon, ben elle adore ça. Et du coup, elle m'avait dit, franchement, c'est bien, essaye un jour. Bon. Et puis, ben, un jour, voilà, est arrivée, j'ai craqué. Donc, ça se présente sous une boîte comme ça. Elle est trop, trop belle. Ça me rappelle un petit peu les boîtes à bonbons de l'époque. Elle est magnifique. De toute façon, Guerlain, tout ce qu'ils font, c'est beau, c'est classieux, c'est chic. Voilà. Même quand vous ouvrez, ça sent bon, mais c'est un truc de fou. Hein. Donc, vous avez le petit machin, là. Et vous avez les perles. Vous voyez, vous avez des perles de plusieurs couleurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un pinceau. Et puis, vous remuez. Et puis, vous passez ça. Donc, moi, je m'en servirai comme un lighter. Hein. Ça sent trop, trop bon. Pour voir, ils ne disent rien. Hein. Je vais vérifier, voir s'ils disent à quoi ça sent. Peut-être de l'huile de géranium, de... du citron, mais bon, je sens pas cette odeur-là. Ouais, ils disent qu'il y a du parfum, mais ils disent pas quoi. Mais franchement, c'est une tuerie tellement que ça sent bon. Bon, eux disent que c'est poudre visage, hein, mais moi, je vais pas me mettre du scintillant partout. Hein. Donc voilà, moi, c'est surtout ben, voilà, pour faire un peu d'illuminateur, un petit peu de, voilà, hein, pour illuminer, faire de l'highlighter, quoi, voilà. Donc, je mettrai un petit peu par là. Voilà, un petit peu là, comme c'est l'été, pour donner un petit peu de lumière. Magnifique boîte, magnifique. Packaging de fou. Ça, après, quand vous l'avez fini, vous pouvez le mettre sur votre coiffeuse. Enfin, si vous avez de la place, hein, pas comme moi. Voilà, donc c'était à 59 euros. Hein, je m'en passe, c'est bien écrit. Voilà le prix que je l'ai payé. Ça valait trop le coup, franchement. 29,50 € pour ça, j'ai craqué, quoi. Ensuite, arrivé à la caisse, j'ai vu la neige. On parle de la neige qui est tombée. Hein. La neige, les produits la neige, un kit de 3 produits. Alors là, j'ai craqué. Donc, c'était à 19,90 € aussi. C'était à moins de 30%. J'ai payé 13,93 €. Voilà, vous avez les 3 petits pots. Donc, vous avez le masque de nuit hydratant à la lavande. Vous avez un masque de nuit 6K. Pour les agressions extérieures. Et ensuite, vous avez le masque de nuit Time Freeze anti-âge. Donc là, franchement, c'est kit de secours pour la nuit, en fait, ça s'appelle. J'avais pas fait gaffe. C'est trop, trop sympa. Même la fille à la caisse, elle m'a dit, ah, ouh, ça, c'est des trop bons produits, vous regretterez pas. Oh, je dis, oui, je m'en doute. Mais bon, franchement, la fille, elle a fait l'apologie de la neige. Je vais voir si on peut sentir un petit peu, peut-être. Je ne sais pas si c'est operculé ou pas. Comme j'ai jamais rien acheté. Vous voyez, c'est un produit assez opaque, assez glissant. Alors, j'aime pas trop les odeurs de lavande. Mais celui-ci, il y a un petit parfum encore à l'intérieur qui masque un peu la lavande. Donc, ça pourrait me plaire. Je pense que ça, je vais le tester ce soir.
Ensuite, Sika. Donc ça, c'était pour contre les agressions extérieures, le vert. Là, je ne sens pas grand-chose, mais c'est une autre texture un peu plus crémeuse, un peu plus onctueuse. Ça sent bon, hein, mais c'est très, très léger. C'est vraiment agréable. Par contre, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas s'il faut mettre ça toute la nuit ou j'ai rien compris. Hein. Enfin, remarquez, vous direz que je n'ai pas lu, hein, comme d'hab. Hein. Et ça, c'est l'anti-âge. C'est le pot gris. Celle-là aussi, elle sent bon, mais ce n'est pas la même odeur. Ça sent très léger, mais très bon. Et la texture non plus, ce n'est pas tout à fait la même. C'est entre les deux. Ça fait un peu crémeux et un peu gelé. Enfin, c'est bizarre à dire. Ça sent trop, trop bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Évidemment, c'est écrit en tellement petit. Il y en a une qui m'a dit, il faut que tu te serves de ton téléphone avec la loupe. Mais je filme avec mon téléphone. Mais j'ai une grosse loupe que je me sers pour quand je fais les bijoux en perles. Mais bon, évidemment, je ne l'ai jamais à disposition. Il faudrait que je la sorte parce que... Bon, bah, écoutez, je testerai ça et puis bah, je vous en parlerai, je pense, très, très rapidement. Puisqu'en plus, comme bien touché en vacances, je pense que je vais faire pas mal de crash tests. Voilà. Donc ça, super contente. Et donc, le prix, il est là. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Ah ben ça, c'était l'étiquette avec le prix. Donc ça, c'est bon, j'en ai pas besoin puisque je vous ai tout donné. Les prix, je les avais. Donc à la caisse, la personne me dit, les séphorates. Elle me dit, est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir un échantillon d'un parfum en particulier? Et j'ai dit oui, seulement le nom, je me rappelais plus, enfin le nom complet, je me rappelais plus, je voulais poison, mais le rose. Et c'est le Poison Girl. Et une tuerie. Donc elle m'a fait un petit échantillon, et alors, hein, a tombé par terre. Hein, j'ai pas regretté. Je même à travers, je le sens. Donc celui-là, par contre, je pense un jour me l'offrir. Hein, parce que une tuerie, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un super bon. Moi, j'aime les parfums forts. Plus pour l'hiver, hein, forcément. Hein. Et après l'été, j'aime bien tout ce qui est fleuri. Après, tout ce qui est style angel, il y a une odeur dedans que j'aime pas. Dans ces parfums-là hein, de Thierry Mugler, j'aime pas du tout Thierry Mugler. Mais voilà, moi, je suis plus parfum fort et ensuite parfum fleuri l'été. Donc voilà, je suis super contente qu'elle m'ait proposé ça. C'était très sympa. Ensuite, j'ai eu ben, des échantillons, donc un toner et hydratant de chez La Neige, que je n'ai pas encore testé, donc je vais le sortir, je vais me le mettre sur la coiffeuse pour y penser. Voilà. J'en ai eu deux même. Ensuite, j'ai eu, alors ça, je ne sais pas ce que c'est, de Sika Per Derma Green Solution. Alors, qu'est-ce que c'est? Dr Jart Crème à l'herbe du tigre. Et ensuite, vous avez le traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. En fait, il y a deux trucs. Moi, je n'avais pas compris, hein, comme je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Donc, ça aussi, je vais me mettre devant pour le tester rapidement. Et pour finir, j'ai eu une eau de toilette, un petit échantillon d'eau de toilette diesel. Donc, c'est Sand of the Brave. Eau de toilette pour homme. Oh, elle est sauteuse. Oh, pétard, le truc. Il est allé atterrir dans le sac. J'aurais voulu le faire, je n'y serais pas arrivée. Oh là là, ça arrive qu'à moi, ça. Bon, mais voilà. Et j'ai eu ça en cadeau aussi, en échantillon. Donc, c'est sympa. Hein, bon, à la fois, j'ai lâché 90 euros quand même. Donc, bon, voilà. Donc, ça, je le donnerai à mon fils. Il aime bien les échantillons de parfum. Voilà pour Sephora. J'ai pas fait semblant quand même. Mais c'est des trucs vraiment sympas. Je suis très contente d'avoir fait ces achats. Et puis, ben, pour finir, on va finir par Vinted. Alors, sur Vinted, j'ai fait des petits achats donc chez ma copine Alora Bora, donc de la chaîne hein, Alora Bora. Donc, c'est Laura. Voilà, c'était la première fois qu'elle mettait des petits trucs à vendre sur Vinted. Dès que j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion.
parce qu'elle avait vraiment des trucs super intéressants à vendre. Là, c'est vrai, je n'ai pas trop eu le temps d'y retourner sur Vinted. En plus, j'ai une grosse cagnotte. Il faudrait que je me fasse plaisir. Mais bon, résistons, résistons. Alors, donc, en fait, j'ai craqué parce qu'elle a mis en vente. Comment ça s'appelle? C'est pas un rouge à lèvres. Je pense que c'est plutôt un baume coloré de chez L'Occitane. Donc, c'est rouge de fruits, couleur et cœur de vitamine. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Fruity lipstick. Donc, la teinte, mais quand elle l'avait swatché dans une de ses vidéos, j'avais adoré la teinte. Presque, je serais allée chez L'Occitane pour aller m'en chercher un. Et puis, après, j'ai oublié et j'ai vu qu'elle l'avait mis en vente. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Il sent super bon, super bon, super bon. Je vais vous le swatcher. Donc, c'est un orangé, mais corail. Il est magnifique, magnifique. Cette couleur, elle est trop, trop belle. Et en plus, il sent super bon le fruit. Je ne sais pas quel fruit, je vais essayer de regarder. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai voulu aller chez L'Occitane, dans ma ville à côté, là, à Narbonne. Je ne l'ai pas retrouvé, le magasin, je crois qu'il est fermé. Et à quoi c'est le goût, enfin l'odeur, je ne sais pas, je ne le vois pas. C'est dommage. Ça sent un petit peu une odeur de pêche. Ouais, il y a une odeur de pêche, d'abricot, des fruits de saison, d'été, quoi. Voilà. Donc franchement, je l'ai kiffé. J'ai dit, ah oui, je suis trop contente qu'elle le mette en vente. Donc, j'ai pas hésité. Ensuite, qu'est-ce que je lui ai pris? Je lui ai pris aussi, alors ce primer, c'est une base de chez Cica... n'importe quoi. Je ne sais pas ce que j'allais dire. Une base de chez Catrice. Donc, c'est le Prime and Fine. Keep me matte. Voilà. Donc, moi, vous savez, j'adore les fonds de teint, les primeurs mat. Je n'aime pas avoir le visage qui brille. D'ailleurs, là, en rentrant, j'ai oublié de me mettre un peu de poudre. Mais ça va, on ne voit pas trop que je brille. C'est moyen. Voilà. Donc, je me suis pris ceci parce que franchement, j'en ai jamais assez. Et je les utilise quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc, je me suis fait plaisir. C'est tout neuf, hein, c'est nickel, hein, franchement. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Laura, c'est une fille qui est comme ça, carrée, super, une superbe personne. Elle le sait, je t'adore, je t'aime. Voilà, je te kiffe, Laura, voilà, tu le sais. Hein. C'est vraiment une belle personne, une belle rencontre YouTube. C'est voilà, parmi tant d'autres, hein, mais vraiment, toi aussi, tu es, voilà, tu es un amour. Voilà, elle m'a mis un petit mot. Merci, ma Gabi. Voilà, c'est tout mignon. Et elle m'a mis 50 échantillons, quoi. Mais c'est pas des petits échantillons, elle est terrible. Donc, elle m'a mis, voilà, Gabrielle de Chanel. T'es terrible. Un amour de fille. Hein. Voilà, un amour de fille. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un échantillon extra firming, cou et décolleté de chez Clarence. C'est un soin jeunesse. Ça, c'est des super bons produits. J'adore Clarence, franchement. Des super bons produits. Ensuite, elle m'a mis... Alors ça, je ne connais pas. C'est un masque 3 en 1, multi-usage. Donc, c'est pour les cheveux, je suppose. Ou pour le corps, ou pour le visage. Alors, masque nutrition et réparation au beurre de capuachou bio. Ah, c'est pour les cheveux. Cheveux très secs, abîmés. Voilà, donc je ne connais pas du tout. Chlorane, je connais, mais ça, je n'en ai jamais acheté. Donc, merci Laura, parce que franchement, tu me fais découvrir des nouvelles choses. Et après, qu'est-ce qu'elle m'a mis de chez Chlorane aussi? Mais c'est trop mignon. C'est d'autres échantillons. Alors, c'est soin visage hydratant au bleu et bio. Donc, c'est comme sous forme de petit carnet. Voilà, vous ouvrez et vous avez ceci. Voilà, donc deux échantillons. Ce sont des graines de bleuet. Donc, je pense qu'on peut les planter. Hein. Je pense que c'est fait pour ça. Hein. Je ne sais pas, c'est pas écrit. Je vais le sortir. Oui, mode de culture. Oh, c'est chouette. Je suis trop contente. Dès le mois de mars. Ah, je ne sais pas. Hein. Début de floraison au mois de mai. Et de mai à septembre.
Je vais le tenter quand même. Des graines de bleuet, mais c'est trop joli en plus cette couleur. Et ensuite, donc, c'est une crème d'eau de bleuet. Voilà. À l'acide hyaluronique, hydratant, apaisant et défatigant. Hydrate, repulpe et illumine. Voilà. Donc, hop là. Voilà ceci. Franchement, trop mignon. Et ensuite, donc, j'avais des petits fonds de teint liquide à tester de chez Unique. Mineral Touch. Donc, il y a trois teintes. Donc, ça, c'est sympa parce que c'est vrai, quand on ne connaît pas sa teinte, suivant les marques, eh bien, voilà, ça peut être sympa. Donc, pour me faire découvrir ça aussi parce que je ne connais absolument pas. Donc, pareil, je vous mettrai le prix sur la vidéo puisque j'ai complètement oublié le prix de ces achats. Alors, quoi vous dire? Donc, le rouge à lèvres donc, de chez L'Occitane n'est pas du tout mat. Hein, c'est un hydratant. Voilà, c'est un baume. Ensuite, celui que j'ai sorti de chez Marionneau, donc le rose. C'est un hydratant aussi brillant. Il n'est pas du tout matifiant hein, parce que vous voyez, j'ai appuyé, il a un petit peu coulé. Bon, moi, ça ne me dérange pas hein, vu que bon, on peut quand même plus ou moins se balader sans le masque à des endroits, dans la rue en tout cas. Donc bon, on peut commencer à s'en servir et ce n'est pas gênant. Ensuite, donc, pour la revue de tous ces produits, écoutez, là, je suis refaite, hein, encore une fois. Je n'ai pas trop craqué, franchement, pour les soldes, vous voyez. Voilà, ça, c'est mes achats donc, du mois de juin et quelques soldes, voilà. Mais je suis assez contente de moi, notamment donc, pour ce produit de chez Guerlain. Hein. Ça valait le coup à moitié prix, hein. Franchement. Clarins, Herborian, on n'en parle plus de tout ça. C'est des super produits. Les lip gloss de chez Fenty, bon, je les ai pris, mais bon, je ne sais pas, on verra quoi. On testera ça en vidéo. Voilà, bon, après, ce que j'ai adoré aussi, c'était Adopt, puisque Adopt, je ne connaissais absolument pas. Je suis super contente et cette bougie, je vais m'en servir pendant les vacances. Voilà, je l'utiliserai pendant les vacances. Voilà, donc écoutez, ce haul beauté solde est terminé. Je vous remercie énormément d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous dis encore merci d'être là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.